Monsieur et Madame Belle Échappée. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne La Belle Échappée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est donc à Millau pour faire la cyclosportive Millau Cosse Noire. Et donc, comme vous pouvez le voir, on est sur le point de vue de Millau et notamment de son viaduc qu'on peut voir juste ici. On a également Millau juste à ce niveau-là. Et on voit déjà demain vers où on va aller. Il y a la cuvette qui est juste là-bas. Ça va être là-bas que va se passer le parcours. Et donc, quand on voit ces jolis paysages, on a vraiment, vraiment hâte d'y être. Alors, juste qu'il sera beau quand même. Ouais, et juste espérons que le temps sera de la partie. Salut tout le monde, donc voilà, on est arrivé à Millau, on a fait une bonne route, c'est bon, on est arrivé à l'hôtel et de là on a pris les vélos, on est allé faire un petit tour de reconnaissance, voir où était le départ, voir comment c'était tout ça, et là on a fait un petit tour et puis on va repartir. C'est vraiment sympa de rouler ici, ça change de chez nous. Voilà, en plus on a trouvé une belle route avec la rivière sur notre gauche en contrebas, donc c'est vraiment très joli et voilà, puis on va rentrer. Ah, je t'en mets. Ah, quand même, partir. T'es content? Oh, genre, il met de la salade. Il met n'importe quoi. N'importe quoi. Vas-y, mange la salade. Voilà, voilà. Le reste, il touche pas. Hein. Voilà. 5 fruits et légumes. Un petit peu de patate. Deuxième légume. Axou, normal, et Thomas. Voilà. Et donc nous voilà partis pour cette longue journée. Donc à vélo dans un premier temps et le retour avec la voiture avec 1h30 de route pour rentrer jusqu'à chez nous. Donc comme vous pouvez le voir, le temps, la météo était de la partie au niveau du soleil. La température, il faisait bon mais frais quand même. On pouvait quand même mettre le cuissard court. Et par contre, en début de journée, on ne le savait pas, mais il va y avoir beaucoup de vent sur cette sortie, sur cette cyclosportive. Et on va bien le ressentir au fur et à mesure que les kilomètres vont se dérouler. On montera là-haut, dans le Cosse Noire. Et donc nous voilà au tout début de la cyclosportive. Alors ce début de cyclosportive a été particulier parce qu'en fait on est parti dans des sas par âge, étant donné qu'au deuxième kilomètre après le début de la course, il y avait un rétrécissement à cause des travaux. Les organisateurs ont décidé de nous faire partir par sas différé de 10-15 secondes. Et du coup ça fait que le départ était assez particulier parce qu'il y avait plein de petits groupes. Et comme on peut le voir à cause de ça, c'est parti mais très vite. Au niveau du kilomètre heure, on était à 40-50, très facile sur ce début de course. Après donc il fallait essayer de remonter les groupes pour trouver à peu près son niveau. Et donc avec GG le Belge, c'est ce qu'on va faire. On va se mettre un petit peu dans les roues, remonter petit à petit et par la suite trouver le groupe qui nous conviendra le mieux.
Et donc, comme on peut le voir, GG Le Belge décide de prendre un peu en main la chose. Il commence déjà à remonter au niveau des coureurs. Et au fur et à mesure, il va vraiment essayer de nous tirer, et moi y compris, vers le haut du groupe de cette cyclosportive, où nous étions autour de 70-80 participants pour cette édition. Et pour le coup, il va vraiment nous faire mal aux pattes. Il va vraiment accélérer sur cette partie plane pour essayer de prendre un groupe de haute vitesse. Et donc là, sur cette vidéo, on voit maintenant que GG Le Belge commence à prendre vraiment l'initiative de prendre un bon gros relais. Donc là, on essaie vraiment tout de sauter dans sa roue parce qu'il roulait assez vite et donc on pouvait prendre l'aspiration. Et comme on peut le voir, il va vraiment nous faire mal aux pattes. Il va envoyer des watts et c'est vraiment compliqué de tenir les roues à cette vitesse-là d'entrée alors qu'on n'était pas très très chaud, qu'il faisait quand même un petit peu frais. Et pour le coup, lui, il était vraiment facile. On le voit vraiment sur les images, il pédale peinard, il a même pas les mains en bas du guidon. Et nous derrière, on est vraiment à l'arrache déjà en train d'essayer de tenir sa roue. Et pour le coup, au fur et à mesure que les mètres vont dérouler, il va prendre vraiment de l'avance. Moi personnellement, avec le gars qui est devant, je vais lâcher. Et on va créer un groupe inférieur au niveau de la vitesse à ce niveau-là. Et lui par contre, GG, là voilà, il est en train de forcer pour vraiment rattraper un groupe qui était devant. Et ça va aller très très vite. Donc voilà, sur les images on peut voir que GG et ce groupe là vont vraiment prendre les devants, et donc moi pour le coup je vais ralentir la cadence pour attendre un groupe. Donc on sera autour d'une dizaine de coureurs. Après il y en a qui vont essayer d'accélérer un peu plus, même de nous attaquer sur les portions faux plat montant allant jusqu'au premier Grand Prix de la Montagne. Donc on était entre 10 et 12 au début, et puis à la fin on devait être plus que 7-8 à finir dans ce groupe. Après il y en a qui ont été lâchés, d'autres qui ont attaqué, donc ils ont pris un peu plus d'avance tout ça. Et donc en remontant cette vallée, on va être donc autour d'une dizaine de coureurs, on va dire. Et pourtant, on va être que 3 à prendre des relais. Dès qu'on essaye de demander à ceux qui étaient derrière de prendre des relais, et ben ils disaient qu'ils étaient fatigués, qu'ils ne voulaient pas tout ça. Donc on était 3 à prendre les relais, malgré que j'ai dit personnellement qu'on pouvait ralentir pour que tout le monde puisse passer des relais au lieu qu'on soit que 3 à rouler. Mais malheureusement ça n'a pas suffi, on est toujours resté ces 3 là à rouler devant. Et ce qui est amusant quand même à la fin, c'est que c'est ces mecs là qui ont ensuite bien grimpé devant. Donc ils n'étaient pas tant fatigués que ça, puisqu'ils ont vraiment bien gravi les Grands Prix de la Montagne à chaque fois. Et donc au niveau des images, on peut vraiment se rendre compte que c'est une chance de pouvoir rouler dans cette vallée où on remonte le Tarn en fait. C'est vraiment sublime, c'est l'un des plus beaux endroits dans lequel j'ai roulé, cette vallée du Tarn. On est avec énormément de verdure, de montagne, il y a le Tarn qui coule au bord, et franchement c'est un plaisir de rouler dans des conditions pareilles. Et donc là on attaque la première ascension. Donc là pour le coup c'était une petite côte pour aller jusqu'au village de Cantobre, où ça montait quand même un petit peu, c'était pas des pentes folles mais ça montait un petit peu. Et déjà là on va se rendre compte qu'il y en a qui grimpaient bien et qui n'ont pas pris de relais sur l'allée, sur les 25 bornes de faux plat. I'ma get you fired. I know you're always.
Et donc pour l'ascension, je vais pas avoir l'occasion de prendre de vidéos parce que ça grimpait quand même pas mal. Et j'ai pas pu lâcher les mains du guidon pour prendre des vidéos de ce Grand Prix de la Montagne. Mais il y avait bien 2 km qui étaient quand même assez compliqués avec des pourcentages avec du 8-9% facile. Et après le reste était entre 5 et 7% pour le reste du col. Et donc on va se retrouver en haut de ce col, en fait sur le plateau du Larzac. Je pense qu'on était même en Lozère. Parce que j'ai vu un panneau à un moment donné, 20 km du Montégoal, donc je pense qu'on était sur la Lozère. Et pour le coup, après avoir monté le col, on se retrouvait en haut avec un vent, mais un vent de face ou de trois quarts sur le côté, qui était horrible. Ça soufflait énormément et pour le coup, même sur le plat, j'étais à 19-20 à l'heure, pas plus. Et pourtant, je peux vous garantir que je forçais. J'étais petit plateau et j'essayais de mettre du braquet, mais c'était vraiment impossible. Et en plus, sur ces hauteurs-là, on était quasiment à 1000 mètres d'altitude. Et pour le coup, il faisait vraiment froid. Et là, pour le coup, je trouve que le cuissard court était un petit peu juste. J'aurais bien aimé avoir le collant. Like a 63, I'ma buy a new cement. Let her ride in the forest with me. Oh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' do shit for me. Et donc pour le retour, après cette belle descente, on a repris finalement la route qu'on avait pris à l'aller, donc c'est un faux plat qui est censé être descendant, mais à ce moment-là le vent s'était levé et c'était pas facile, on sentait pas qu'il était légèrement descendant. Pour le coup, limite on aurait pu dire que c'était un faux plat montant, parce que vraiment ça soufflait un petit peu et on utilisait de l'énergie. Et à ce moment-là on peut à nouveau se rendre compte que la vallée du Tarn est vraiment magnifique. Pour accéder jusqu'à Millau et au pied du dernier col de 7 km. Yeah, we can work for all. Bon ben là, je suis à 70 bornes, il reste donc 18 à faire et je commence à avoir les crampes comme la dernière fois à Gignacoise. Donc sachant qu'on finit sur une montée, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir de m'alimenter pour récupérer pour dans 10 km mais je suis pas sûr que ça suffise pour aller au bout. On va essayer d'y aller avec le mental mais ça sera pas évident. En tout cas, très très dur sur le plateau avec le vent, soit de face, soit de côté, c'était vraiment très très dur. Et donc nous voici après le premier kilomètre du dernier col, de l'ascension finale jusqu'au Puncho, donc le col du Cosse Noir. Donc c'est très beau à ce niveau-là, on voit Millau. Et je vais pas réussir à filmer parce que vraiment j'étais dans le dur. J'ai monté le col, je crois la moyenne sur mon Strava c'est 8,5. Ben, je peux vous dire que ça a été très très long, vraiment dans la souffrance et je suis arrivé en haut rien que grâce au mental. En tout cas ce qu'on peut retenir c'est une magnifique cyclosportive très très belle qui mérite à être connue. Merci aux organisateurs, notamment Monsieur Pénin et Monsieur Gilleron, qui ont vraiment fait un super travail. Merci aux bénévoles, c'est très important, sans eux la course n'existerait pas. Et pour le coup, on voit un peu de tout sur cette cyclosportive, la vallée du Tarn, le Larzac, et pour finir cette montée vers l'eau de Millau. Donc franchement, bravo aux organisateurs pour cet événement qui est sublime, surtout qu'il y avait un beau palmarès avec le champion du monde de la cyclosportive. Au niveau des femmes également, il y avait énormément de super athlètes. Allez, à très bientôt sur la chaîne La Belle Échappée.